Allez, la roi des rois. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie. C'est le jour d'adoration. Le Seigneur a fait de grandes choses. Eh oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Seigneur notre Dieu, tu es bon. Tu as fait de grandes choses dans nos vies. Des choses merveilleuses, Seigneur. Tous les jours dans nos vies, tu montres que tu es Seigneur. Tous les jours dans nos vies, nous sommes en train de te voir à l'œuvre. Tous les jours dans nos vies, Seigneur, nous contemplons ta grandeur et ta puissance. Voilà pourquoi nous voulons te confier ces moments très témés. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces moments. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux et les oreilles spirituelles pour bien comprendre les messages, la suite des messages de nos enseignements. Que le Saint-Esprit soit présent dans nos vies. Que le Saint-Esprit opère, que la parole Oyekobima soit gravée dans nos cœurs à jamais. Que cette parole travaille et nous amène à la délivrance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de reprendre nos enseignements. Sur le thème de l'année, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, ceci les voix. Nous sommes en train de voir comment Abraham a entendu la voix qui lui dit de quitter. Et Abraham avait obéi à une voix inconnue. Et vous connaissez l'histoire. Bien qu'Abraham a entendu plusieurs voix sur le chemin, il avait quand même persévéré jusqu'à ce que sa femme a conçu. Et il a eu Isaac, vous connaissez l'histoire, jusqu'à Jacob. Et on a parlé de la famille de Jacob. Et on avait comme thème fonder une famille sur les principes de la coutume. C'était un mauvais départ. C'est ça qu'on avait commencé. Jésus-Christ est la seule voie pour s'en sortir. Pour changer le cours de ta vie. Et nous avions vu les affaires de Jacob. Comment ils sont arrivés à Cana? La Bible dit, Jacob et son frère, ils ont enterré leur père Isaac. Et Jacob s'est installé au pays de Cana. Là où vivait son père. Et ses enfants vivaient. Et la Bible nous a raconté une histoire, on a partagé. Avant les colloques, on avait lu Jacob demeura dans le pays de Cana où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, on a donné le nom. Et ce qui était étonnant, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Nous avons démontré comment ça s'est fait que Léa est la sœur de Rachel. Mais comment ça s'est fait que Joseph se trouve auprès des enfants des servantes. Parce que les deux sœurs ne s'attendaient pas. C'était toujours le mauvais départ de la coutume. Vous connaissez comment Jacob a épousé ses deux sœurs. Ils ne se sont jamais pardonnés. Même à Rachel qui était morte
Ruth n'a jamais pardonné à sa sœur Léa. Et chaque enfant gardait un mauvais souvenir. Les enfants ne s'attendaient pas non plus. Mais Joseph et sa mère décédaient. Mais il est resté auprès des enfants de Bila et de Zilpa. Il allait paître les troupeaux avec eux. Mais ces enfants-là, de Bila et de Zilpa, ils attendaient toujours la deuxième fois. La coutume, la sorcellerie conduisait leur vie. Ils parlaient que de mauvaises choses. Ils étaient là en train de critiquer les enfants de Léa. Parce que c'est Léa qui est restée avec les maris. Ça veut dire tout ce qu'ils faisaient là-bas. Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Joseph, malgré qu'il était orphelin de mère, malgré la schizophrénie, malgré les blessures intérieures, malgré ce qui s'est passé dans cette famille, Joseph a continué à écouter la voix de Dieu. La seule voix de Dieu. Dès le début, à 17 ans déjà, Joseph savait que ses frères n'étaient pas sur les bons chemins. Ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. À 17 ans déjà, Joseph a fait un choix au milieu des méchants, au milieu des sorciers, au milieu des impudiques, au milieu des coutumiers, parce que ces enfants-là sont nés tous dans la maison de là-bas, dans la maison des coutumes, dans la maison de la sorcellerie. Donc leur causerie, c'est la sorcellerie. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ces enfants-là n'avaient pas encore rencontré Dieu. Il n'y a que leur père, Jacob, a rencontré Dieu sur le chemin. Il a lutté, il a cherché Dieu, et l'homme céleste est descendu. Il a tapé, il a commencé à marcher difficilement. Malgré le changement de leur père, ses enfants ont vu leur père courageux, orgueilleux, s'est jeté pour aller rencontrer son frère. La Bible a dit qu'il s'est jeté sept fois par terre. Au lieu de se demander, mais pourquoi notre père a changé tout d'un coup? Ce n'est pas leur problème. Et sur le chemin, ils ont commencé à tuer les gens. À cause de leur sœur, c'était la vengeance qu'on avait violée. Maintenant, il fallait aller à Bethel. J'ai demandé maintenant à Jacob d'aller bâtir un hôtel. C'était le Dieu que Dieu s'est révélé à lui. Lorsqu'il fuyait son frère Esaü, Dieu s'est révélé à Jacob à ce lieu-là. Et c'est lui-même qui a donné le nom, si c'est la maison de Dieu. Dieu lui a dit, allez me bâtir un hôtel là-bas. Et Jacob était déjà converti. Il savait maintenant que ce sont des choses de Dieu, des choses sérieuses. Il a ordonné à toute sa maison, ôtez les dieux étrangers, les fétiches, tout ce que vous avez dans vos bagages, donnez-moi ça. Je vais brûler. Parce que j'ai rencontré Dieu. Maintenant, fini la coutume, fini la sorcellerie, fini les histoires de là-bas, fini la coutume et des charas. Maintenant, j'ai rencontré les dieux de mon père. Donnez-moi le faux dieu. Ôtez les faux dieux, ôtez les fétiches et donnez-les-moi. La Bible nous dit, ils avaient remis, ils les ont fuis. Amen. Hein? Et ils sont partis. C'est sur cette route-là qu'Rachel a trouvé la mort. Est-ce que Rachel a donné ses fétiches? Je ne crois pas. Rachel tenait beaucoup à ses fétiches. Rachel croyait à cause de ses fétiches que Jacob l'aimait. C'est comme ça, Ruth, quand elle a voulu mettre au monde son bébé, elle est morte. Ils ont continué le chemin d'être allés bâtir l'hôtel. Ici, ils sont arrivés au pays de Cana.
Mais mon problème ici, Joseph, il a vécu tout ça. Il était encore très jeune. Mais lui, il a vu que son père a changé. Joseph a vu sa mère mourir. Il a vu que son père a demandé les dieux étrangers. Alors Joseph a compris qu'il faut changer aussi. Mais il était étonné que ses demi-frères parlaient que des méchancetés, des calomnies, des pudicités. La preuve en est que Héribert était parti coucher avec la femme de son père. Avec Bila, qui était la servante de Rachel. Ses affaires avaient la vengeance dans leur cœur. C'était la coutume. Bien aimé dans le Seigneur, la coutume n'amène rien de bon. La destruction. Nous sommes tous nés dans ce système. Un système de jalousie, un système de vengeance, un système de suspicion. On fait semblant de s'aimer. Mais en réalité, il n'y a pas de vrai amour. Il n'y a pas de vrai amour là où il n'y a pas Dieu d'Abraham. Tout ce que nous montons comme amour, dans tous les systèmes, ce sont des faussetés. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le Dieu d'Israël, il n'y a pas de vrai amour. Je disais tout à l'heure, à propos Langui, il y a un jeune au ministère. Il est amoureux. Il m'a dit, maman, j'aime cette fille. Et moi, je vois qu'il a changé. Il dit, maman, je l'aime beaucoup. Maman, elle est très jolie. Moi, je disais, maman, moi, j'ai dit, il est très amoureux. C'est comme ça qu'on a commencé, même nous. Lorsqu'on est amoureux, on veut parler, on aime. Même quand nous sommes dans la coutume, on s'appelle. Mais pourquoi, à coup de chemin, l'amour, là, c'est fini? Il n'y a pas Jésus. Toutes les belles paroles que le fiancé peut te dire à l'oreille, même au téléphone, même par écrit, comme hier, je t'aime, tu sais qu'il t'aime. Mais une fois que vous commencez à habiter ensemble, comme Jésus n'était pas, ce sont des bagarres, la jalousie, beaucoup de choses. Pourquoi? Là, il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas le vrai bonheur. Il n'y a pas le vrai amour. Pourquoi toi et moi, nous sommes venus au combat spirituel pour entrer en profondeur, pour chercher la délivrance, faire la repentance, afin que notre cœur change, afin que le vrai amour de Dieu demeure dans nos vies. Acclamez le Seigneur. Maintenant, Joseph. Son père lui a fait confectionner une tunique multicolore. On peut dire Genèse 37. 1 à 9. C'est là que je vais prêcher aujourd'hui. Nous lisons. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent à haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent
et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il lui dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi, la parole du Seigneur. » Acclamez la parole du Seigneur. Acclamez le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph fut âgé de 17 ans. Il n'avait pas 20 ans. Il n'avait pas 18 ans. Il n'avait pas 19 ans. Âgé de 17 ans, il craignait déjà Dieu. C'était un gamin. Il avait compris que dans leur famille, il y avait un problème. Plusieurs femmes, plusieurs enfants, plus la coutume, c'est la jalousie, c'est la mésentente, c'est la haine, et tout ce monde écoutait toujours la deuxième fois. Parce que la coutume, c'est le désordre. Vous vivez avec les tantes, vous vivez avec tout le monde, on se fait des coups, on critique les enfants des tantes, on critique les enfants des oncles, les autres disent ils nous ont dominés, les autres disent ils ont pris notre chance. Deuxième voie. Mais Joseph a eu la grâce de vivre honnêtement la vérité. Tout ce que ses frères disaient, ils rapportaient à leur père. Ils voulaient connaître la vérité. Papa, écoute. Ce que les autres ont dit. Ce que les autres ont dit. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre au milieu des gens qui sont méchants, qui écoutent de deuxième fois, c'est difficile. Même dans la communauté ici. Tous ceux qui sont dans la vérité sont persécutés. L'ennemi, les sorciers, tout le monde qui servent Satan n'aime pas la vérité. La Bible a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Nous avons l'esprit de vérité. Mais ce qui m'étonne, même les chrétiens qui parlent la langue, toujours des demi-vérités. Il y en a qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. La Bible ne dit pas ça. Ça, c'est le monde. Ça, c'est la philosophie du monde. Pour Elisabeth, hein, ce que la Bible dit, toute est vérité, c'est bon à dire. Même si on doit me couper la tête, hein, je dois dire la vérité. Parce qu'avec la vérité, le Seigneur va préparer ma vie. Avec la vérité, je n'ai pas besoin de fétiches. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Avec la vérité, je serai gras. Pas besoin de livres écrits par les hommes, je n'ai pas besoin des hôtels et des balles, je n'ai pas besoin de féticheur, j'ai seulement besoin de la parole de vérité. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a commencé avec le combat spirituel, c'était un message de la vérité, non? Vous direz que la coutume c'est la sorcellerie, que tout le monde est sorcier. L'ennemi n'a pas supporté ça. Elle vient d'où? Cette femme est là. Elle est sorcière. Elle est féticheur. Elle est magicienne. Elle est deuxième femme. Ils ont raconté n'importe quoi pour me faire taire. Le diable s'est trompé. Il ne savait pas qu'Elisabeth, j'ai choisi la vérité. Quelles que soient les persécutions, je dirai toujours la vérité sur la parole de Dieu. Amen. Le diable a essayé d'étouffer le message. Parce que nous sommes venus pour annoncer aux gens la voix du Seigneur. Pour écouter une seule voix. La voix de Jésus-Christ. Pour faire quitter les gens les ténèbres et venir à la lumière. Et pour cela, l'ennemi nous a fait payer cher. Il a raconté autour de nous des mensonges.
Il a raconté n'importe quoi. Si ce ministère ne venait pas de Dieu, personne ne peut rester ici. Comme c'est le ministère de la vérité, nous disons la vérité. La vérité, là, personne ne peut étouffer. Dis la vérité. Dans une famille de ténèbres, ce n'est pas facile. Ce que Joseph faisait là, c'est ce que toi tu as fait. Toi tu es venu avec la vérité de ta famille pour dénoncer les ténèbres de ta famille. Joseph allait rapporter les ténèbres de sa famille à leur père. La Bible dit que ses frères ont commencé à les haïr. C'est biblique et bien aimé. Moi souvent j'ai ri. Oh maman, la famille n'a pas de soucis. Joseph, quand il a commencé à dire la vérité, tous ses frères ont commencé à les haïr. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le premier. Tu es venu dans l'évangile, c'est que les prophètes ont vécu, tu dois vivre. Si tu es dans la vérité, on va te haïr partout. Amen. Amen. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Joseph, il n'a pas injurié quelqu'un. Il n'a pas saboté quelqu'un. Il n'a pas calomnié quelqu'un. Il rapportait les mauvais propos. Et ses frères ont commencé à les haïr. Mais lui, il a dit, je ne me tairai pas. Promets pour vous, vous avez eu des échecs. Il y en a qui se sont tués à coup de chemin. On a dit qu'il combat. Bien aimé, moi j'aime les combats. Avec qui combat, je dirai la vérité et je serai grand et je vais honorer la grandeur de Dieu. Joseph a commencé à dire la vérité. Et comme il dit à vie que Joseph a la vérité, un enfant de 17 ans, maintenant Joseph écoutait la voix de Dieu. Il n'y a que la voix de Dieu. Il ne regardait pas à gauche ni à droite. Les enfants de Léa, les enfants de Zilpa, les enfants de Bila. Moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas de mère. Mais moi j'ai la parole de mon père, la parole de vie. Je vais suivre le Dieu de mon père. Dieu a vu cela. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son ordinateur, il a commencé à programmer la révélation. Quand il a dormi, il a vu un songe. La révélation. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque nous avons la vérité que le Seigneur va programmer le succès dans ta vie. Pour toi, conseillote, qui s'exalte, ma exalte, ma foute exalte, c'est la vérité. Joseph avec la vérité. Il a dormi. Il a vu toute la famille en train de lier les gerbes. En train de lier les gerbes. Tous les gerbes étaient plats. Et les gerbes de Joseph s'est levé. Et les autres se prosternèrent. Ça, c'est le Dieu qu'on vous prêche ici. Zambé, le combat que je prêche ce soir, ce n'est pas le Dieu de prophétie. Oh, Rachinda, Rachinda, non! C'est le Dieu de Joseph. Toi-même, tu pries dans la repentance. Tu dénonces le mal. Tu dis la vérité. Il vit avec la révélation. C'est la révélation que j'ai eue. Gama Kamo Yarachinda Banate. Oh, va parler à langue à ma démon. Va parler à langue à ma serpent. Et si Yomoko, toi seul, avec Jésus, au milieu des coutumiers, au milieu des méchants, même au ministère, tu vas trouver des gens méchants, des gens qui critiquent. Ne soyez pas leurs amis. Sois comme Joseph. Vive dans la vérité. Dis la vérité. C'est dans cette condition-là que le Seigneur va programmer ce que ton cœur désire. Si c'est les enfants, il va programmer. Si c'est le mariage, il va programmer. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, j'avais prêché depuis Pâques. Ne croyez pas que vous allez réussir avec des faussetés. Même si ça semble réussir, c'est faux. Tu n'iras pas loin. Tu vas descendre. Tu vis la persécution autour de toi.
Parce que tu es dans la vérité qui ne lâche pas. Toujours vérité. On va te donner des noms. Toujours vérité. On va t'appeler Maman Langui. Toujours vérité. On va t'appeler Papa Langui. Toujours vérité. Jésus va commencer à proclamer. C'est le message que j'ai reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'ai pas la confusion des ministères. Moi je n'ai pas reçu le ministère de prophétie, de prier pour les gens. Nous avons reçu des messages pour vous apprendre, pour vous enseigner comment prier, comment chercher Dieu, afin que toi seul, tu amènes la vérité comme Joseph, se séparer avec les ténèbres pour que Dieu programme. Comme il a programmé la vie de Joseph. Joseph était orphelin de mère. Haï par tous ses frères. À cause de la vérité. C'est comme nous. On a été haï par tout le monde. Par nos frères. Par nos sœurs. Par nos familles. On nous critiquait à tout moment. Tout ce que le monde peut écrire. Tout ce que les internets peuvent dire. Nous ne sommes pas là. Tout ce que nous savons. Que nous sommes dans la vérité. Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si je dis la vérité, si je prêche la vérité, demain j'aurai la vie. Et la vie en abondance. Quand je commence à dire la vérité, je me sépare avec les ténèbres et le Seigneur commence à programmer. Le succès dans ta vie, la guérison dans ta vie, la délivrance dans ta vie, la grandeur dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'huile, hein? Tu n'as pas besoin de l'eau, tu n'as pas besoin que tu poses la main. Dieu a besoin de ta décision, de faire un choix, de quitter pour toujours les ténèbres. Tu vas vivre la grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens croient qu'on ne peut pas réussir avec Dieu. C'est le mensonge. Nous avons réussi avec Dieu. Parce que nous avons appliqué la parole. Nous avons accepté. Jésus a l'obi. Et resserriez-vous. Lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, lorsqu'on dira mal de vous à cause de moi, soyez sûr que le royaume des cieux est en vous. Il n'a pas dit maudit. Il n'a pas dit malheur. Et resserriez-vous. Voilà pourquoi nous avons accepté, comme Joseph, de continuer à dire la vérité, de dénoncer le mal, la voix de Jésus, la voix de Dieu. Nous n'écoutons jamais des voix à gauche, à droite. Joseph vivait dans une famille. Léa parlait de sa façon. Ribé parlait de sa façon. Il a dit, je ne peux pas vous suivre. Je vais suivre ce que mon père dit. Ce que Jacob dit. Je vais suivre la vraie parole de Dieu. Et comme il a pris la décision, comme il a fait un choix, bien-aimé, Dieu est juste. Imaginez-vous un peu au milieu des ténèbres. Toi, tu n'aimes pas les ténèbres. Tu n'écoutes plus la deuxième voix. Tu veux continuer à écouter toujours la première voix. C'est Dieu le fidèle. Juste pour vous honorer. Si nous avons fait longtemps, parce qu'on a mêlé la vérité et les mensonges. La vérité et la fausseté. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Il est le Dieu de vérité. Nous avons l'exemple. Joseph. Maintenant, les frères, les haïtiens, son père lui a dit, tu crois que moi et tes frères, tu vas nous gouverner. Joseph n'a pas donné la réponse. Hein. Il a continué à dire la vérité. Il a continué à prier. Et bonjour encore. Une autre révélation. La ligne. Le soleil. Les étoiles. 11 étoiles. Il était. Lui était à côté. Lui au milieu. 12e. Vous prosternez devant moi. La Bible dit, ses frères les haïrent davantage. Mais la Bible dit, son père regardait ces choses dans son cœur.
Jacob avait compris que Joseph disait la vérité. Maintenant, il a dit, il gardait ses choses dans son cœur. Il savait qu'un jour, Joseph allait diriger tout le monde. Joseph allait gouverner tout le monde. Joseph aura des succès. Joseph sera élevé. Amen. C'est pas compliqué, bien-aimé. Fais un choix. Même si tu es venu aujourd'hui, même si tu es venu peut-être il y a 2 semaines, fais comme Joseph. Fais ce que moi j'ai fait. Quand le Seigneur m'a montré la vérité, de la coutume, bien-aimé, la coutume c'est une mauvaise chose. À cause de la coutume, quand les gens disent on n'aimait pas la famille. On aimait la famille. J'ai pris mes enfants très jeunes en Europe. J'avais la grossesse. Des petits enfants, 3 ans, 5 ans. Aller montrer les enfants au village. Je n'avais que 23 ans. 23 ans, j'avais déjà des enfants et une grossesse. J'ai pris l'avion. Bruxelles, Sabena Kishasa, Kishasa Fokker, jusqu'à l'autre. L'autre en a juste jeep, jusqu'au village. Comment on aime la famille? C'est ça aimer la famille, n'est-ce pas? Mais j'ai amené mes enfants. J'avais que 23 ans. Je ne connaissais rien de la vie. Dans ma belle famille, ma grand-mère féticheuse était avec nous. J'ai amené mes enfants au milieu des ténèbres. Ce qu'on a fait, je ne connaissais rien. Mais plus tard, lorsque j'ai cherché Dieu pour mon mariage, le Seigneur a commencé à me montrer des dégâts. La destruction de tous ces enfants que j'ai amenés au village. C'est pour aimer la famille. Le Seigneur m'a dit, l'amour de famille sacrée, c'est rien. On peut construire des châteaux, on peut payer des tickets, on peut construire des bâtiments. Si Jésus n'est pas là, c'est la sorcellerie, c'est la destruction. Amen. Amen. Ce n'est pas ça que vous passez. La famille, on a construit des maisons. Pendant que nous étions étudiants en Europe, on a construit des maisons pour la famille. Mais comme il y avait la sorcellerie, on a amené que la décision. Quand j'ai cherché Dieu, dans les montagnes, dans les WC, vous voyez que je pleure. Hein? Quand j'ai vu des mamans qui ont des problèmes, vous êtes à l'aise. Moi, quand j'avais des problèmes, quand les gens dormaient, quand je pense à ça, j'ai amené mes enfants au village. Pourquoi? Si je pense de la coutume, quand le Seigneur a commencé à me révéler, j'étais dans les toilettes, batoba soubi na kombi na nuta, na kolela di bosho ya baba souba, na kolela na basala, na bimo di zoba. J'étais que j'avais que 23 ans. Je ne connaissais rien de la vie. Je suis allé vendre mes enfants moi-même. Quand le Seigneur m'a dit, lève-toi. Prêche la parole. Ne crains rien. Je vais te délivrer. Je vais restaurer ton foyer. Je vais délivrer les enfants. Toute l'Afrique, tout le monde sont sous le joug de la coutume. Ils vivent l'oppression de la coutume. Prêche la vérité. Prêche la vérité. C'est ça qu'on a fait. Nous, on n'a pas cherché le ministère. C'est Dieu qui a donné le ministère pour vous amener à la délivrance, pour prêcher la parole. À toi de prendre la décision. Si tu es un pied de deux pieds d'or, c'est un problème. Si tu veux faire comme Joseph, au milieu des méchants, au milieu des sorciers, au milieu des coutumiers, et tu as l'audace. J'ai dit la vérité. Je me sépare de la sorcellerie. Ce n'est pas facile. Tu seras critiqué. Tu seras haï. Mais lorsque tu connais la parole, Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant. Il a dit même 6 000 tombent à droite, 10 000 à gauche, ça ne peut pas vous atteindre. Celui qui est en eux plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque je connais la parole maintenant, je n'avais plus peur. Je savais, tant que
je marche dans la vérité, celui qui est à moi plus grand. Je ne craindrai rien. Des critiques, parce que je suis avec la vérité. Dieu va restaurer mon foyer. Dieu va délivrer mes enfants avec la vérité. Il y aura l'élévation. Il y aura la grandeur. Il y aura le succès. Joseph a eu le succès. Dieu lui a montré la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nos ministères, c'est la révélation. Oh, j'ai vu pour toi. Toi qui vois des visions des gens, c'est le serpent. Nous, on ne voit pas les visions des gens. Tout le monde est venu ici pour avoir tes propres visions. Nous ne voulons pas de visionnaires pour les autres. Nous ne voulons pas de prophètes ici pour les autres. Chacun de nous est venu. Osana mi kumba na libota. Osana di kumba ya famille na yo. Entre en profondeur et celle avec ton mari, avec vos enfants. Cherchez la révélation. Pourquoi la pauvreté dure si l'autre? Pourquoi les blocages? Pourquoi la stérilité? Pourquoi vous n'avez pas d'enfants? Pourquoi les gens meurent à 45 ans? Est-ce que tu as la révélation? Pourquoi on donne à tout le monde la voiture au service et quand on arrive à ton tour, il n'y a plus de voiture? Qu'est-ce qui ne va pas? On est venu chercher la révélation. Si tu es dans la vérité, un pied dedans, un pied dehors, tu n'auras pas la révélation. Si tu es dans la vérité, comme un Joseph, bien aimé dans le Seigneur, tu vas marcher demain, la tête est haute. On va t'appeler au langue. Même si ta famille te cherchait, si tu es dans la vérité, ils ne vont pas t'avoir. Tu n'auras pas de flèche. Si tu es pied dedans, pied dehors, tu vas mourir. On va dire aux langues. Aux langues ne mangent pas de chat. Aux langues ne tirent pas de chat. Si tu meurs, parce que tu combats très mal, un pied dedans, un pied dehors. Si tu combats comme Joseph, même au milieu des tribulations, même au milieu des sorciers, le Seigneur donnera la victoire. Tu auras des révélations, même s'il y a encore des persécutions. Nous allons voir ça, hein? Image prochaine. Joseph vivait encore la persécution, mais il a la révélation. Bien-aimé, même si tu vis la persécution, si tu as la révélation, tu es consolé. Tu as la joie. Tu as la joie. Même si tu n'as rien à manger, tu as déjà vu la révélation, tu marches avec la révélation, tu te laves avec la révélation, tu vas au bureau avec la révélation, tu vas au marché avec la révélation, et demain ça va s'accomplir. Et demain tu seras grand. Que le Seigneur vous bénisse. Yahweh, Yahweh Nanga Mbamba. Yahweh, Nzambe Nanga Mbamba na yo. Yahweh Nanga Mbamba. Samba Joseph, nasengi na yo zambo yo, natambola na bosolo, onazwa revelasyon nanga, umama na yo Yahweh, Yahweh nanga kubaba, umama Yahweh, Yahweh nanga kubaba. Liboso kindokie, liboso ya bangu na kumama, lakisanga lolenge, ya koloba verite, kumama na yo. Yahweh, Yahweh na nga kumama, mama Yahweh, Yahweh na nga kumama. Akisanga lolenge yakolo basolo kumama bona sa revelation asengi ola kisanga verite na yo Yahweh Yahweh
Baba. Yahweh. Hey Yahweh. Oh no. Hey Yahweh. Baba. Mama rayo. Hey Yahweh. Yahweh. Hey Yahweh. Baba. Yahweh. Hey Yahweh. Oh no. Hey Yahweh. Baba. Sambe no langie, ibo soya verite, u mama, opesi elo tomoe, ya ministere ya gomba, u mama rayoe. Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh nanga ku mama, Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh nanga. Mama rayo hey Yahweh Yahweh hey Yahweh nanga kubamba rayo hey Yahweh Yahweh hey Yahweh nanga kubamba solo na yo yangonzela na bomo ikumama na kisanga lelo yo na lo baba solo Yesuwe na boy masu na landi Joseph na sima revelation na katia masole ku mama hey Yahweh hey Yahweh nanga ku mama na yo Yesu nanga Na boni bosolo na yo, Yahweh, Yesu nga, Yahweh nga, kumama le yo kolo, Yesu nga ye, Yahweh nga, na kimi mosika ya masumu Yesu, na kanga mina bosolo, na busani na yo. Boy masumu nakanga mina yo kumama la kisanga bosolo na simba bira kanangaye kumama na yo Yesu nanga kumama na yo Na poni bosolo na yo Ba persécution e pai Na poni bosolo na yo Bitumba na gauche na droite Na simi bila karanga Hey Yahweh Hey Yahweh nanga Umama na yo Naboi koku vanzamboyo La kisanga verite Ata tole yo Umamara yo Hey Yahweh Olo nanga Hey Yahweh nanga Olo Hey Yahweh Hey Yahweh nanga Kukama Hey Naboi masumu Mama Naboi loku
kutana bomona mai yawe andi mi o yesue o sumina ngaye vena boi li felo alingi revelation na bomoi na ngaye o zali zambe verite na yo e yawe persécution et paille la kangamina yokolo la boi masomo kilo yo la kangamina yesue lokola joseph na simana yo yesu na kangamina bosoro na kisanga bosoro na yo Sikanyo sona kotambola Na betude na ngabo solo na yo Na mosala na ngabo solo na yo Na komersa na ngabo solo na yo Yo sona kosara bo solo e Kotambola ngabo solo na yo Koloba na ngabo solo na yo Koyemba na ngabo solo na yo Koteya na ngabo solo na yo Ezaleli na ngabo solo Nyo sona kosala Bosolo li bosona ngaye Wete na longa mokilyo yo Kumama yawe Naboi misala ya molilie Na simbi bilaka na yo Bosolo na yo mwinda nangai Na nzela na kotambola Nzela etondi mabakumeke Na kangami na yo Na kisanga nzela ya kotambola Wete na kima mosika bosolo na yote Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh. Merci Jésus. Yahweh bisoto belemi te beni da yo. So bibi te pada biso toli bikolo padioso io sale biso ya wesa pesua ke
koko kanisa yo na nini Osali revelation na ngai Yo zarbe na kuya Kopola ye likolo So mi balé, ma bala mi balé, o pamboli da konanga Yahweh. Yo salve, yo salve da guya. Nagumamela yo denge nini, na hoyo yo sali nanda konanga Yahweh. Na kosale la yo pamananga mobimba na hoyo yo sale linga yawe libota nanga mobimba yes totongi yo nzameno langi Santa Buana, ni coupe ni ni mouillé si moi. Topé ça, yo nino. Tika to gumba me la yo yesu. Oh oh oh. Natoni yo, yesu Christu. Na hoyo yo sare linga nzambe yo sambe yesu yango na fuka melio ikoro na se Oh,
Nzambe likolo na se Patience et vérité et foutaka nzambe no langi yo zambe la buya tonetolio oh masia to zangelo ko yakopesa yo nkolo yo zambe yo zambe. Oh, Nicolò, Yahweh, Yonani, oh, Nicolò, Nase, Yahweh, Zambé. Je viens élever ton nom. Cet après-midi, Jésus, je viens t'adorer. Qu'est-ce que je peux te dire, Jésus? Dans la condamnation de ma famille, Jésus. Née d'une famille de condamnation, une famille de la coutume, une famille de l'inceste, Jésus. Qui aurait cru qu'en ces jours, Seigneur, je pouvais être mariée? J'élève ton nom, Seigneur, au-dessus de toutes choses, au-dessus de la sorcellerie de ma famille, au-dessus de toute puissance de ma famille, Jésus, tu es Dieu. Le Dieu du combat, tu es Dieu. Le Dieu de maman, le Dieu de papa, tu es le Dieu qui m'a pris en charge. Tu m'as enseigné, tu m'as enseigné, tu m'as instruit, Jésus. Tu m'as scolarisé. C'est toi qui as payé pour moi les études. Jésus, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Je t'ai rejeté dans ma famille. Quand je suis arrivée à la bergerie, tout le monde m'avait rejeté. Mais les dieux de maman, tu m'as récupéré. Otangisinga y classe na sisi université. Yesu, qu'est-ce que je peux te donner? Aujourd'hui, tu me maries comme une princesse en Afrique du Sud, Seigneur. Les gens de ma famille se demandent, na komana ni pa ya mamo langi. Poba moni bika mwana oyo sali na bomo inangai, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Moi et mon mari, ce soir, Jésus, nous te disons merci. Merci Jésus pour toutes choses. Merci Jésus. Alléluia. Hallelujah.
Seigneur, le Dieu des révélations, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, le Dieu des révélations, nous te sommes reconnaissants. Merci Jésus, parce que tu nous as parlé. Merci pour cette parole. Merci Jésus. Le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui nous a promis que quel que soit le combat, ils ne nous vaincront pas. C'est toi, Jésus. Même s'ils sont 11 contre une personne, ceux qui sont avec toi triompheront toujours. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour chacun de nous que tu as fait aujourd'hui, Joseph. Merci, Seigneur. Tu as vu Joseph 11 contre une seule personne. Mais il a triomphé avec toi. Parce que tu lui avais donné une révélation. Parce que tu le connaissais, Jésus qui Nazareth. Tu connais chacun de nous ici. Tu nous as vu venir. Tu nous connais, Seigneur. Merci. Merci pour cette parole. Que tu sois avec chacun de nous jusque dans nos maisons. Et que nous puissions arriver sans problème dans nos maisons, dans la joie, à t'adorer et à te louer. Dans le nom de Jésus. Amen.